Wie arbeitet das Gehör? Comment les animaux entendent-ils? Chez l'homme, ce sont les oreilles qui permettent d'entendre les sons qui nous entourent. Ces organes se composent de trois grandes parties. D'abord, l'oreille externe. C'est par là que les ondes sonores, les sons, nous parviennent. Elles entrent dans un conduit qui mène au tympan, une sorte de petite caisse de résonance qui se met à vibrer quand l'onde parvient jusqu'ici. Le tympan actionne alors ces trois minuscules os les plus petits du corps humain. C'est l'oreille moyenne, elle est reliée à l'oreille interne. C'est ici que les vibrations sont perçues, notamment grâce à la cochlée. À l'intérieur de cet organe, des milliers de cellules qui transforment les vibrations en un flux nerveux envoyé au cerveau, qui y associe des mots, des phrases par exemple. Chez les animaux avec des oreilles, c'est le même fonctionnement, mais souvent ils ont une meilleure audition que nous. Le chien, par exemple, peut entendre des infrasons, des sons aux ondes très faibles, même à grande distance. Il est aussi sensible aux fréquences très hautes, les ultrasons. Wie entsteht Tinnitus? Qu'est-ce que ça fait lorsque votre tympan est endommagé? D'abord, un acouphène, ce n'est pas une maladie, plutôt un symptôme d'une maladie auditive. Quand on a un acouphène, des ondes sont transmises au cerveau, mais elles ne proviennent pas d'un son extérieur. On a alors l'impression d'entendre un bourdonnement, un sifflement. En fait, c'est le signe qu'il y a un problème dans l'oreille externe, moyenne ou interne. Par exemple, le tympan peut être inflammé. Ou alors, des cellules de la cochlée peuvent être abîmées avec le vieillissement, par exemple. Les ondes sont alors moins bien transmises au cerveau. Mais d'autres facteurs peuvent entraîner une perte d'audition. Être exposé à des sons très forts pendant plusieurs années lors de concerts ou sur des chantiers pour les travailleurs du bâtiment, par exemple. Comment fonctionne une aide auditive? Les appareils auditifs permettent de jouer le rôle de l'oreille externe et moyenne quand elles sont abîmées. L'appareil est composé d'un microphone qui capte les ondes, une puce électronique qui les traite et les transmet à un haut-parleur. C'est lui qui fait le lien avec l'oreille interne. Aujourd'hui, pour les personnes atteintes de surdité, comme ces enfants, il existe même des implants qui jouent le rôle de la cochlée et peuvent leur permettre de retrouver l'audition.